course. Plus jamais perdre pour améliorer la performance. Je n'ai pas trouvé de titre plus sexy. Alors... Ça fait quoi un abrégé? Yet another, quelque chose. Donc je me présente, Laurent Rosenfeld, je suis consultant informatique indépendant et je travaille pour un grand groupe français dans le top 10 des 440. Ma principale spécialité depuis une dizaine d'années, c'est la qualité et la cohérence de données. C'est-à-dire que je suis dans un groupe où le système d'information contient à peu près 700-800 applications. Et l'équipe à laquelle j'appartiens, enfin le département auquel j'appartiens, est censé maintenir la cohérence de données entre toutes ces applications. Et elle dialogue entre elles, elle s'envoie des messages, elle s'envoie des fichiers, etc. Mais il y a toujours un moment où il y a des décalages entre les applications. Et donc, on fait régulièrement des comparaisons de données entre ces différentes applications du SI, de façon à corriger les données aval avec les données amont. Il y a de données typiques, 20 à 500 millions d'enregistrements, 1 à 20 gigaoctets. Ça peut parfois être plus, mais c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on fait régulièrement. Et du fait de ça, nos spécialités qui m'est tombé dessus, c'est améliorer les performances des programmes, parce que parfois on a des durées d'exécution qui sont insupportables, je te donnerai un exemple tout à l'heure, et perdre un de mes outils de prédilection à cette fin. Donc on peut poser la question, si vous l'avez fait, est-ce que ce n'est pas paradoxal d'utiliser PERM pour des hautes performances sur des gros volumes de données? Je ne pense pas, et je vais essayer d'expliquer pourquoi au fil de cette présentation. Bon alors, on est tous d'accord, PERM n'est pas un langage très rapide, c'est un langage interprété, compilé, enfin un truc entre les deux. Mais en tout cas, il ne génère pas du code machine, donc il ira moins vite que si je fais un truc en C parfaitement tuné. Mais, donc c'est un langage efficace, mais plus lent par exemple que C ou C++. Oui. Pour les gens qui ne font que du VB ou que du Shell, c'est super rapide. Oui, alors c'est super rapide. De ce point de vue. Après la question, est-ce que c'est si important de chercher la performance que donne le C++, ça dépend. Moi, je ne suis pas en train de chercher à gagner la microseconde sur le cycle d'un processeur pour que mon affichage de jeux vidéo aille plus vite, c'est pas ça mon but. Pour moi, les vraies optimisations de performance, c'est pas dans ce domaine-là que je vais les chercher, ça m'intéresse pas. Si j'ai un traitement qui dure 50 heures, l'amener à 49,5 heures, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas me résoudre mon problème. Donc j'ai besoin de solutions beaucoup plus efficaces que ça. Et ça demande de penser à des algorithmes différents. Ça demande de chercher vraiment des moyens autres de faire les choses. Et de ce point de vue-là, PERM me donne une facilité de collage qui me permet de me concentrer sur le fond du problème, pas sur les détails d'implémentation. Le fait que le langage soit expressif me permet de penser les solutions efficaces pour modéliser efficacement mes problèmes sans avoir à implémenter des choses extrêmement compliquées comme je pourrais avoir besoin de le faire dans un langage de plus bas niveau, on va dire. Alors je dis ça pour perdre, c'est vrai qu'on pourrait dire la même chose avec des nuances sur d'autres langages dynamiques comme Python, comme d'autres, mais bon, il se trouve que là je parle de perte. Donc je vais présenter trois exemples d'amélioration considérable de performance qu'on peut obtenir. Alors, un premier cas, c'est un cas un peu académique, ça va rejoindre un peu ce qui a été discuté ce matin, puisque ça va parler de la cible de Fibonacci. Donc ça c'est vraiment un exemple théorique. Un deuxième cas qui est un cas pratique réel mais ludique, c'est un jeu qui tourne sur iPhone qui s'appelle Canoe. Et le troisième cas, un cas professionnel réel en entreprise où on verra qu'il est divisé par plus de 100 la durée d'exécution d'un programme. Mais en fait, la partie du traitement dont j'ai amélioré les performances ont été multipliées par 1400. La cible de Fibonacci, je pense que tout le monde connaît, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc c'est la croissance des lapins, de la population de lapins. Ce qui est important de dire sur la cible de Fibonacci, c'est que
Phi de la 6,0, c'est 0. Phi de la 6,1, c'est 1. Jusque-là, c'est très simple. Et phi de la 6,n, c'est la somme de phi de la 6,n moins 1 et de phi de la 6,n moins 2. Donc la définition qu'on a donnée, elle est récursive clairement. Donc on peut faire un algorithme récursif. Je vais présenter ici une façon de le coder. Donc j'ai une fonction récursive fibo qui prend qui reçoit le nombre de Fibonacci que je veux calculer et qui calcule à partir de là. Donc si n égale 0 ou n égale 1, on renvoie 0 ou on renvoie 1. Et sinon, on renvoie Fibo de n moins 1 plus Fibo de n moins 2. Et ça s'appelle récursivement. Le problème, c'est que c'est très lent. Tant qu'on fait sur 5, 6, 10, ça va. Donc là, j'ai mis sous Linux les calculs de ce programme-là sur mon PC portable, pas celui-là, hein, qui est un petit peu mieux. Donc Fibo de 20, ça fait 6765 et ça dure un dixième de seconde, il n'y a aucun souci. Fibo de 30, ça dure 1,3 secondes. C'est déjà un petit peu plus long, ça va encore, c'est un PC relativement haut de gamme, ça va encore. Fibo de 40, ça dure 2 minutes 28 secondes. Donc, je double, entre 20 et 40, je double le nombre de Fibonacci dont je cherche le nombre de Fibonacci que je cherche, et je passe un dixième de seconde à 2 minutes. Donc si vous voulez calculer Fibo de 100, je vous laisse imaginer. Alors pourquoi? Parce que la fonction, elle est appelée récursivement un nombre extrêmement important de fois. Alors j'ai donné les chiffres, là, Fibo de 10, c'est appelé 177 fois, Fibo de 20, 21 000 fois, donc là encore, hein, on passe de 10 à 20, on double, le nombre d'appels, il passe de 177 à 21 891 fois, et si je passe de Fibo 40, je double encore, on passe à 3 millions d'appels. Et donc de 20 à 40, 15 000 fois plus, donc je double le nombre dont je recherche, le nombre de Fibonacci. Et je fais 15 000 fois plus d'appels. Donc c'est pour ça, clairement, c'est lent. Initialement, les chiffres, je les ai calculés en mettant un compteur dans ma fonction. Mais en fait, le nombre d'appels de Fibo de 40, c'est égal à deux fois le nombre d'appels de Fibo de 41. Non, pardon, c'est égal à deux fois Fibo de 41 moins 1. Et donc, chaque fois que je... Si je fais Fibo de 40 et que je passe à Fibo de 41, ça multiplie le nombre d'appels par 3,2, à peu près. Donc, vous voyez, c'est une fonction exponentielle qui croît extrêmement rapidement. Là, j'ai donné des exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un peu ce que j'ai expliqué. Typiquement, Fibo de 19, il faut calculer Fibo de 18. Et deux fois, il a déjà calculé deux fois pour Fibo de 20. Qui descend, etc. À la fin, quand je veux calculer Fibo de 20, j'ai 21 800 appels récursifs. Et sur ces 21 000, presque 900 appels récursifs, on peut dire qu'il y en a 20 qui sont vraiment utiles et que les autres ne servent à rien. Donc la solution, c'est le cache. Donc je mets. Dès que je calcule réellement un nombre de Fibonacci, je le stocke en mémoire dans un tableau, un hash, si vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est un tableau. Quand j'appelle mon Fibo de 20, donc j'ai besoin de faire la somme de Fibo de 19 et de Fibo de 18, ben, peut-être que j'ai déjà en cache. Donc, au lieu de faire un calcul et d'appeler Fibo de 18 et Fibo de 17, je vais pouvoir renvoyer le chiffre directement. Alors, le code, il est quasiment plus simple que celui qu'il y avait avant. Je déclare simplement un tableau cache. En l'occurrence, pour Fibo 0 et Fibo de 1, c'est 0 et c'est 1, j'initialise tout de suite 0 et 1, ça me permet d'éviter d'avoir après une condition, si c'est 0, je renvoie 0, si c'est 1, je renvoie 1, sinon je renvoie Fibo de n-1 et n-2. Et voilà, je prends mon nombre, si le nombre, on va commencer par la fin, si ce n'est pas défini,
Et ben j'appelle ma fonction Fibose, j'appelle moins 1, Fibose moins 2, et je stocke ça dans mon cache pour Fibose de N, et ensuite je renvoie Fibose de N. Si c'est défini, ben en fait je renvoie directement Fibose de N, j'ai pas besoin de rappeler la fonction. C'est clair? Donc là j'ai le timing de Fibose de 90, j'ai pas mis Fibose de 100 parce que c'est plus des. J'obtiens un chiffre qui n'est plus un entier, mais un flottant. Comment ? Un flottant. Un flottant avec un. Avec une notation scientifique. Voilà, une notation scientifique. Donc je me suis arrêté à 90 pour avoir un chiffre entier. Vous pouvez faire un slip comme ça, on peut avoir. Hein ? Vous pouvez mettre un slip en même temps. Et donc on voit 0,05. Fibo de 40, on était à 2 minutes, Fibo de 90, on est à 1,5 secondes. Le simple fait d'avoir mis en cache les valeurs intermédiaires qu'on calcule pour les recalculer qu'une seule fois. Pour les calculer qu'une seule fois et ne plus jamais les recalculer. Alors la mise en cache, on peut l'automatiser. Donc ça rejoint un peu ce dont parlait Marc ce matin. Il y a un module qui s'appelle Memoize. Qui a été écrit par Mark Jason Dominus, qui est la même personne qui a écrit le livre Ailleurs leur père dont on a parlé ce matin. Et donc la mémorisation, c'est très simple. Je fais un use memoize, donc le module de Dominus. Et ensuite je dis que je veux mémoriser la fonction Fibo. Et ensuite, ici j'ai exactement l'algorithme naïf que j'ai présenté pour commencer. Sans aucun, je ne sais plus mon cache, je ne sais rien. Je retrouve mon, si c'est moins de 2, bah, je dis 0 ou 1, parce que je n'ai rien changé absolument à la fonction de l'algo naïf que j'ai présenté en premier, à part l'ajout de mémoire SIGO et de use mémoire. Donc, mémoire, dès que vous avez un problème de ce genre-là, c'est quelque chose auquel il faut éventuellement penser, sachant que c'est un module qui ne peut servir que sur ce qu'on appelle les fonctions pures. C'est-à-dire les fonctions qui n'ont pas d'effet bord. Enfin, là, je simplifie les définitions mathématiques des fonctions pures, mais je ne vais pas. Bon. Voilà pour Fibonacci. Donc, en février de cette année, sur le forum Perl de développer.com, il y a quelqu'un qui a posté un message en disant voilà, il y a le jeu de Calou, je voudrais bien modéliser ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour voir comment il marche? Donc, bon, il y a eu un certain nombre de réponses, j'ai répondu un certain nombre de fois, il y a 2-3 autres personnes qui ont répondu. Donc, c'est quoi le jeu de Calou? C'est un jeu gratuit disponible sur iPhone et iPad. Il a peut-être été porté sur Android depuis, je ne sais pas. Donc, c'est un plateau de 4 cases où il y a des jetons qui sont de couleur, blanc et noir. On part d'une position quelconque, comme celle qui est à l'écran. Et ensuite, on peut. Il y a des règles qui permettent de dire je vais retourner des cailloux. Alors la façon dont je peux retourner, c'est que je peux retourner une colonne entière. Donc par exemple, si je retourne la colonne de droite, ben, je vais avoir 3 cailloux noirs et un caillou blanc. Je peux retourner une ligne entière, donc c'est pareil, je vais avoir noir blanc, noir blanc, si c'est cette ligne que je retourne. Je peux aussi retourner les deux diagonales. Et je peux retourner. 3 cailloux en forme de S, et mon angle, comme ça, dans n'importe quel sens. Donc c'est. Le but c'est d'avoir à la fin tous les cailloux blancs. Donc les règles sont simples. Et alors, ça a été démontré mathématiquement que c'est toujours possible de le faire, quelle que soit la situation de départ, en 5 coups maximum. Ça a été démontré, paraît-il, avec la théorie des groupes. Je ne connais pas la démonstration. On verra que là, dans le programme, j'ai fait une démonstration, puisque j'ai effectivement examiné tous les coups possibles, enfin, toutes les situations de départ possibles, et on a effectivement montré qu'on a la solution en 1, 2, 3, 4 ou 5 coups. Donc la question que posait la personne sur le forum, c'était trouver le nombre de positions, ça va dans un coup, le nombre de positions, ça va dans deux coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups.
Donc les caractéristiques principales du jeu, pour résumer, il y a 2 puissance 16 positions de départ possibles. En fait, il y a 2 puissance 16 positions possibles au départ ou dans les coins intermédiaires. Il y a 46 coups possibles à chaque fois. Les lignes, les colonnes, les angles, etc. Ça donne 46 coups possibles. Donc une partie qui fait 5 coups maximum, à partir d'une position de départ donnée, on peut avoir 46 puissance 5 parties. Donc il y a 206 millions de parties possibles à partir d'une position de départ. Et j'ai 2 puissance 16 positions de départ. Donc au total, j'obtiens le nombre de parties possibles théoriques, 1,205 multiplié 10 puissance 13 parties possibles, à peu près 13 000 milliards. Donc c'est clair, on ne va pas pouvoir les égaliser toutes avec la force brute, il va falloir faire quelque chose. Alors, on va revenir à ça, mais disons la modélisation la plus qui vient immédiatement à l'esprit, c'est-à-dire chaque mur est blanc ou noir, donc on peut choisir une modélisation binaire simple. 0 c'est blanc, 1 c'est noir. Et donc une position de départ quelconque, ça peut être cette série de 16 nombres 0 ou 1. Donc ce nombre binaire, plutôt cette chaîne de caractères binaires de 16 chiffres qui font 0 ou 1. Les 0 ils forment les pions blancs et les 1 les pions noirs. Alors après retournement, c'est par exemple. Alors là je vais détirer pour séparer les 4 lignes successives pour que ça soit visible. Donc si je retourne à. Si je fais le coup qui consiste à retourner la première ligne, je vais obtenir un nombre identique sauf les 4 premiers chiffres, où au lieu d'avoir 0, 111, j'aurai 1, 0, 0, 0. C'est juste un exemple. La position gagnante, c'est quand tous les chiffres sont 0. Alors maintenant, un coup, je peux également le modéliser de la même manière. Je peux mettre en 1 les pions que je retourne et en 0 les pions auxquels je ne touche pas. Donc le coup qui consiste à retourner la première ligne, c'est celui-ci. Je retourne je change les chiffres des 4 premiers chiffres, c'est les retournements de la première ligne, et les autres, je ne touche pas. Bon, alors utiliser la force brute, j'en ai déjà dit un mot. Alors j'ai essayé d'estimer les coups comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Donc je suis juste parti d'une solution de départ, et j'ai laissé l'ordinateur faire le calcul de combien de chemins il trouvait en 5 coups. Quoi. Alors bon, le nombre de chemins, ça c'est facile à calculer, mais je voulais voir combien de temps ça prenait sur l'ordinateur. Donc il arrivait à examiner avec le petit algo que j'avais fait 700 000 parties par seconde, et il fallait à peu près 300 secondes, 5 minutes, pour toutes les parties faisables à partir d'une position de départ. Maintenant, je multiplie ça par 65 536 positions de départ possibles et j'arrive à 5400 heures ou 225 jours. Bon, c'est pas possible. Mais il y a une autre raison pour laquelle c'est pas possible, qui est encore plus importante que le délai, qui est si je veux stocker tout ça en mémoire, ça va être complètement impossible. J'ai 13 milliards de coups, ça va pas le faire. Donc, force brute en élégant, c'est-à-dire. Ok, je fais une espèce de force brute, mais dès que je rencontre quelque chose que je connais déjà, j'essaye de le supprimer. Bon, c'est une idée, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est une bonne idée parce qu'effectivement, on examine plusieurs millions de fois chaque position possible, donc il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Donc l'approche que dans la discussion sur le forum, l'approche que j'ai proposée, c'est en fait de dire, je vais faire le contraire, au lieu de partir des 65 000 positions possibles, je vais partir de la seule solution, c'est-à-dire tous les pions blancs, et je vais remonter progressivement vers les solutions de départ pour voir ce que ça donne. Donc à partir de la position résolue, tous les pions blancs, j'examine les 47 coups, 46 coups, je ne sais plus, 46 coups qui peuvent venir là, et je stocke ça comme 46 positions qui peuvent être résolues en un coup. Et ensuite, de ces 46 positions, je vais monter encore 20 francs, à chacune appliquer les 46 coups possibles,
et pour chacune, regardez si c'est une position que j'ai déjà vue. Si c'est une position que j'ai déjà vue, ça veut dire que j'en ai plus besoin. Si elle était résolue dans un coup, ça ne sert à rien que je stocke le résultat résolution en deux coups. Je vais faire la résolution plus vite. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc, en fait, j'élimine immédiatement toutes les solutions non optimales et toutes les solutions qui seraient égales à une solution optimale déjà vue, puisque j'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de garder deux solutions qui mènent à la même chose. Et au total, là, j'ai pas calculé mathématiquement, mais j'ai mis un compteur dans mon programme, j'ai réellement examiné 2 300 000 positions possibles et non 13 000 milliards. Alors, dans la discussion sur le forum, l'idée était, oui, on va stocker dans une chaîne de caractères des 0 et des 1 pour modéliser le jeu. C'est ce que je vous ai présenté un peu avant. Donc, moi, ce que j'ai dit, non, vu le genre de problème, autant utiliser du vrai binaire, autant ne pas mettre des 0 et des 1 dans une chaîne de caractères, mais utiliser du vrai binaire. Donc, une position, en fait, j'ai 2 puissance 16 positions possibles. Donc, une position, c'est juste un nombre. Un nombre binaire de 16 chiffres ou un nombre compris entre 0 et 65 000, je ne sais jamais, 535, quelque chose comme ça. Donc ça réduit, ça simplifie les algos, on va le voir juste après, et ça réduit aussi l'empreinte mémoire parce qu'une chaîne de 16 chiffres et un seul nombre, ben, ce n'est pas la même chose. Donc les situations de départ, c'est les 2 puissance 7 premiers nombres, c'est ce que j'ai dit. Et les coûts sont aussi modélisés par les chiffres, donc il y a 46 chiffres, compris également entre 0 et 65 535, donc il y a un certain nombre d'entre eux qui sont des coûts autorisés, les autres sont des coûts non autorisés. Alors, petite digression, comme on commence à travailler en binaire, c'est pas forcément très clair, si on veut débugger, si on veut voir ce qu'on fait, de se dire, tiens, je fais le coup 67 là, sur la position 6212, ça ne dit pas grand-chose. Donc là, c'est aussi partie de la discussion, ce que j'ai expliqué sur le forum, c'est bien quand même d'essayer d'afficher un petit peu à quoi correspondent les nombres que j'affiche. Donc c'est juste quelques, pour montrer qu'en plus, c'est vrai que les perlis, on n'utilise pas souvent le binaire, donc c'est bien de se dire comment je vais vérifier que ce que j'ai correspond vraiment à quelque chose. Donc j'ai juste montré ici quelques manières d'afficher les choses. Alors la première chose, c'est juste afficher les 16 premières positions, donc c'est juste avec un printf affiché en binaire. Et là, j'ai supposé que j'avais en fait un damier de 2 sur 2 et pas de, 16, de, pas de, de 4 sur 4 pour afficher les différentes positions possibles, donc 4, 0, 0, 0, 1, etc. Donc avec juste un printf pour 100, 0, 4, B. Bon, si je veux afficher les chiffres binaires avec 16 chiffres, c'est un petit peu, donc ça va être pourcent 0,16b, enfin voilà, et je vais pouvoir afficher mes 65 000 positions possibles, comme ça. Donc c'est déjà un peu plus visible de voir un 0,0001 que de voir un 1 ou un 37 ou un je sais pas quoi. Donc j'ai donné, pour les coups, j'ai donné des exemples des 4 retournements de rangée, qu'est-ce que ça donne. Donc ça va être un 0B 1111 avec les 0, que je peux aussi bien coder 61440. Le coup 2, ça va être ce qui est là, que je peux aussi bien coder 3840, etc. Donc, ce qui va être un peu long dans la résolution du jeu, ça va être en fait de coder les 46 coups, en termes de travail, parce que bon, c'est un peu casse-pied de regarder, alors vraiment, si je fais ici telle modification, qu'est-ce que ça va être? Je vais en faire un truc binaire, et puis quand j'aurai fait mes 46 coups, les trucs binaires, je vais les imprimer, et puis à la fin, j'ai une liste de 46 entiers qui va pouvoir me servir pour initialiser la résolution du programme. Donc maintenant, je pense que c'est probablement clair, mais qu'est-ce que ça veut dire appliquer un coup? Ça veut dire faire un coup exclusif entre la position de départ et le coup. Et donc le résultat du coup, ça va être... Exemple, si je veux appliquer le coup 3, là, c'est juste ici, à la position, à cette position-là, je fais juste un mot exclusif, et j'obtiens mon résultat. Mais bon, puisque je sais que ce chiffre-là correspond à 340, c'est celui-là,
dispositif-là. Je peux aussi bien faire, dire que mon résultat est égal à 4, x sort de 140. Remarque, si je veux calculer pour réciproque, bah, je fais exactement la même formule, parce que faire un retournement ou faire un sens, c'est exactement la même chose. Alors, sur cette question binaire, pas binaire, j'ai fait un peu de benchmark, il y a des outils qui sont pratiques pour faire ça en paire. J'ai essayé une dizaine de façons différentes de travailler sur une chaîne de caractères et de faire ce mot exclusif sur une chaîne de caractères. Ce n'est pas du tout pratique à faire, enfin à moins qu'il y ait une fonction que je ne connaisse pas, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment pratique à faire. S'il faut commencer à découper la chaîne de caractères et puis les calculer un par un, c'est extrêmement long. Les deux méthodes les plus rapides que j'ai trouvées, enfin la méthode la plus rapide que j'ai trouvée pour travailler sur une chaîne de caractères avec des 0 et des 1, c'est en fait d'additionner les chaînes de caractères et ensuite de dire partout où j'ai un 2, je mets un 0 à la place. Donc de bien faire un ou exclusif numérique et non de travailler sur une chaîne de caractères, parce que dès qu'on essaie de travailler sur les caractères un par un, c'est beaucoup plus long. Soit dit en passant, pour ceux qui sont intéressés sur les benchmarks, la première fois que j'ai fait ça, j'avais fait avec une expression régulière, s machin 2 slash 0. Puis je me suis dit, tiens, on pourrait essayer TR à la place. Donc sur le benchmark, 5 fois plus rapide avec TR qu'avec une expression régulière. Donc, soit dit en passant, un truc à garder à l'esprit, ça fait vraiment une grosse différence. Ça, j'ai une pratique. Hein ? On trouve l'anecdote dans les bonnes pratiques. Ouais. Bon, enfin, moi j'ai d'abord pensé à une expression régulière, puis après je me suis dit, il me semble que c'est plus rapide avec un TR, donc je vais tester, j'avais mes bench et tout, donc c'était facile à faire. Ça fait vraiment une énorme différence. Là j'ai donné, peut-être que c'est pas au bon endroit sur la scène, une façon plus parlante d'afficher le résultat et d'avoir une longue chaîne de 0 et de 1. Je l'affiche sous la forme d'un damier, ça permet de voir à quoi ça correspond. C'est juste, c'est encore une fois, quand on travaille sur un truc, on ne comprend pas bien ce qu'on fait. Une des premières choses à faire, c'est d'essayer d'avoir des fonctions d'affichage qui permettent de voir clair à ce qu'on fait, de voir qu'on ne fait pas n'importe quoi. Bon voilà, donc ça c'est toute la discussion qui est mise sur le forum. Après, il y a eu quelques algorithmes. Donc, connaître les 46 coups possibles, je vous dis, ça c'est ce qui est un peu plus casse-pied, parce qu'il faut les calculer un par un et puis faire la liste. Et ensuite, implanter un tableau de 65 000 positions possibles, ça c'est déjà. Et mettre en place la façon de parcourir les trous. Donc voilà, ça tient en 12 lignes de code, 11 lignes de code. Donc initialiser les coups possibles, je vous ai montré juste une partie là. Donc mes coups QW 15, 19, 35, là c'est les coups que j'ai calculés comme étant les 46 coups possibles. Donc je ne les ai pas tous mis, c'est à peine de. Et ensuite, bon, le parcours, 11 lignes de code. Il n'y a rien à en dire, hein, je vous ai expliqué l'algorithme, donc je pense que ça fait que implanter ce que je vous ai expliqué. Est-ce que ça affiche? Donc il y a une position solution en zéro coup, c'est quand les pions sont déjà non, tous dans le départ. C'est la solution triviale. Algorithme juste. Il y a 46 positions solution dans un coup, ben, on s'en serait douté, puisqu'il y a 46 coups possibles. Et bon, voilà les autres. Donc si vous faites 1 plus 46 plus 987 plus etc., vous obtenez bien 65536 si je ne me trompe pas. Donc on a démontré là qu'effectivement c'est toujours soluble en 5 coups puisqu'on a on a trouvé toutes les positions de départ possibles. C'est marrant de voir qu'il y a plus en 4 coups qu'en 5 coups. Comment ? Ouais, c'est marrant de voir qu'il y a plus en 4 coups. Ouais. Mais tu ne gères pas le pluriel dans ton affichage, en fait. J'ai pensé quand j'ai fait la slide. C'était pas l'envers. Les performances, donc exécution en moins de 2 secondes, enfin 1,5 secondes, en fait. Avec le pluriel, ça aurait été plus long. L'empreinte mémoire, c'est à peu près le tableau de 65 000 entiers. Plus le tableau du coût individuel, donc c'est pas grand-chose. Bon, j'ai déjà dit 2 335 926 sont testés pour 13 000 milliards de possibles. 11 lignes de code pour le parcours. Bon, on pourrait optimiser plus, mais enfin, comme j'ai mon résultat en une seconde et demie, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de dire que j'en optimise mon résultat.
complètement égal. Moi, ce que je veux, c'est que ça ne prenne pas 500 heures. Voilà, je m'en fous. Donc, par exemple, si là, j'utilise un H, non, le code, j'ai passé un devis, mais j'utilise un H. Si j'utilise un tableau, ça va être un petit peu plus vite, parce que les accès au tableau sont un peu plus rapides. On peut arriver à 120 secondes. Mais bon, je trouve que c'est moins clair. J'ai une autre version où j'ai utilisé un tableau, où j'ai vraiment stocké l'arbre des possibilités. Là, sur celui que je vous ai montré, j'ai juste cherché à savoir combien de coûts, combien de solutions en zéro coût, en un coût, en deux coûts. Dans un autre cas, c'est vraiment un arbre. Si dans mon tableau, bah, je stocke le coût qui m'amène à la position suivante pour arriver à la solution. Troisième exemple, alors là, c'est un vrai problème au boulot. Donc je vais être obligé d'anonymiser un petit peu ce dont je parle. Donc j'ai deux applications du SI, de la société pour laquelle je travaille, que je vais appeler A et F. C'est la première lettre des deux applications en question. Je vais comparer les données de ces deux applications. J'ai à peu près 35 millions d'enregistrements clients de chaque côté. Je vais faire la difficulté, parce que comparer 35 millions d'enregistrements, ça on fait ça tous les jours, là où on est, ça prend 5-10 heures. Pour ce qu'on fait, c'est des délais tout à fait supportables. C'est vraiment, on a un SI qui marche, et une fois tous les deux mois, on se dit, on veut quand même vérifier qu'il n'y a pas de décalage qui s'est créé, donc on fait une comparaison et on va corriger. Pour faire ça, comme on le fait une fois tous les deux mois, on n'a pas besoin que ça dure 10 minutes. Si ça dure 5 heures à faire la comparaison, ça va aussi bien. De toute façon, on fait tous les deux mois. Donc le but, c'est bien d'avoir des délais qui sont en ligne avec ce qu'on veut faire fonctionnellement. Donc ça ne bloque pas l'application pendant 10 heures. Voilà, oui. Alors la difficulté qu'on avait ici, et c'est ce dont je vais vraiment parler, c'est que au moment où on fait l'extraction, sur l'application A, on a besoin de faire un transcodage des données pour les transformer dans les concepts de l'application F. Les concepts de l'application F étant un plan tarifaire. C'est-à-dire qu'on va avoir trois données ou quatre données de l'application A qui, mises ensemble, vont pointer vers un plan tarifaire de l'application F. Et ça, c'est quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps, on va le voir. Alors l'autre difficulté, c'est que sur l'application A, je suis obligé d'utiliser un langage propriétaire que je vais appeler. Donc c'est un langage qui ressemble à du PLSQL, c'est un langage d'accès à des bases de données, qui est un langage efficace auquel il manque juste une ou deux petites choses qui va faire que je vais avoir des problèmes. Donc c'est ça dont je vais parler. Avant de dire ça, donc j'explique le fonctionnel. J'ai commencé à l'expliquer. Donc j'ai quatre données de l'application A qui déterminent un plan tarifaire F. Donc je veux transcoder mes quatre données d'application A pour dire ça correspond au tarifaire F, et ensuite je pourrais faire ma comparaison entre les deux. Les quatre données, c'est une ou deux prestations du client. Alors les clients ont typiquement entre 20 et 30 prestations. Il y en a une ou deux qui mis ensemble, avec le nom de la plateforme, ou ça peu importe, et avec une autre donnée qui s'appelle le segment commercial, qui est unique pour le client. Donc ces quatre données mises ensemble vont me permettre de trouver un plan tarifaire de l'application F et donc de faire ma comparaison après. Alors cette matrice de transcodage, elle a une difficulté, c'est que parfois certains des champs sont vides, c'est-à-dire que c'est une prestation ou deux prestations qui vont déterminer un plan tarifaire. Ou ça peut être une prestation et le segment commercial. Ou ça peut être deux prestations et le segment commercial. Ça rend l'algorithme un petit peu plus compliqué, parce que ce n'est pas à chaque fois quatre données qui me permettent de pointer directement vers une, mais ça peut être une, deux, trois ou quatre données. Et ensuite, pour chacune d'entre elles, je vais devoir comparer avec une matrice par priorité, et dire laquelle est la meilleure pour choisir celle qui est la meilleure. Donc si plusieurs enregistrements concordent, si je trouve dans ma matrice plusieurs enregistrements, j'utilise un système de priorité, c'est-à-dire que chaque enregistrement a une priorité, et je vais prendre celui qui a la meilleure priorité pour faire ça. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est clair, là? Parce que bon, c'est un peu... En plus, j'ai dû anonymiser un petit peu. Peut-être c'est plus clair avec le tableau. Donc, la deuxième colonne, c'est les tarifs pour l'application F. Mm-hmm. Et ensuite, les trois dernières colonnes, c'est ce que je recherche dans l'application. Donc, il y a un numéro de plateforme. Bon, là, pour simplifier, on va dire que c'est toujours la plateforme 1.
parce que bon, on s'en fout quelque part. Et donc, c'est vraiment trois données qui vont vraiment être nécessaires. Donc, un segment commercial, une application, une prestation et une deuxième prestation. Donc, sur la première ligne, j'ai quelque chose qui a besoin d'un segment commercial et de deux prestations. Sur la deuxième ligne, j'ai toujours besoin d'un segment commercial, mais une seule prestation suffit à me donner un tarif de l'application F. Sur la troisième ligne, c'est inverse. Il y a deux prestations et 100 segments commerciaux me donnent un tarif. Donc, quand je vais examiner sur mon application A toute ma combinaison de segments commerciaux et de paires de prestations, je vais éventuellement trouver plusieurs résultats dans cette application-là. Et là, je vais devoir choisir celle qui a la meilleure priorité. Et en fait, en l'occurrence, c'est le chiffre de priorité le plus bas. Donc, ça, c'est le fonctionnement du. Donc, segment commercial, il n'y a toujours qu'un par client, donc là la question ne se pose pas. Par contre, les prestations, les clients ont 20, 30 prestations, et à chaque fois, je dois avoir une prestation ou une paire quelconque de prestations des 20 ou 30 clients me conduit à un tarif sur l'application F. Donc, vous voyez, là, il y a un peu une explosion combinatoire qui va me poser des problèmes. Bon, là, ça aussi ce que j'ai dit, je pense. Donc, pour chaque client, je dois déterminer son segment commercial, de établir la liste des prestations actives, généralement 20 à 30, et ensuite tester toutes les combinaisons. Et toutes les combinaisons qui me mènent à un tarif, je vais devoir les comparer avec mes priorités et prendre la meilleure priorité. Le problème que j'ai eu, c'est que le problème est très très lent. Donc, initialement, il était 160 jours, ou 180, je ne sais plus. On m'a demandé d'optimiser, donc j'ai commencé à optimiser le programme. Et je suis arrivé à 60 jours, en optimisant le programme en langage G. Bon, 60 jours, ce n'est pas acceptable. Dans le contexte, ce que j'ai un peu touché un mot tout à l'heure, une durée de 3 jours, voire 5, serait acceptable. Un délai de 60 jours, c'est pas envisageable. Donc, et là, on n'avait plus, dans le langage G, on n'avait plus rien à faire. Donc, quel est le problème du langage G? J'ai dit, c'est un langage qui est assez efficace en général, qui va vite. Mais il n'a pas l'étape de lâchage. Et il n'a pas quelque chose permettant de simuler efficacement une étape de lâchage. Et là, c'est typiquement ce dont j'ai besoin. Si je veux aller rapidement depuis un couple de prestations et un segment vers un tarif de l'application F, j'ai besoin d'une étape de lâchage ou de plusieurs étapes de lâchage pour le faire. Et ça, je ne l'ai pas. Je peux faire parfois un peu des pseudo-lâchages, mais là, c'est trop compliqué, il n'y avait pas moyen. Donc, décision. D'utiliser Perl pour. Je vais trop vite, pardon. D'abord, j'ai utilisé Perl pour coder profiler le code G. C'est-à-dire que j'ai écrit une moulinette Perl qui examine le code G, qui met des compteurs à chaque appel de fonction, des chronos à chaque appel de fonction. J'ai lancé le code en même temps. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai passé plus de 99% du temps à l'examen de la matrice. Donc on a 60 jours, mais c'est 59,5 jours dans l'examen de la matrice et le reste pour faire tout le reste du travail qu'il fait. Mais donc, comme j'ai dit, aucune optimisation n'était plus trouvable en G. Et je peux vous dire que si moi j'en ai pas trouvé, je pense que personne ne pourrait en trouver parce que je suis un peu le spécialiste de ces questions-là dans la boîte où je suis. Donc, on a décidé de réécrire une partie du programme en Perl. Donc, l'extraction, j'étais toujours en G. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait toutes les prestations des dossiers en G. Et ensuite, je retraite le fichier produit en Perl. Et l'idée, c'est d'éliminer le parcours séquentiel répétitif de la matrice. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une série de hash, une série de tables de hashage pour résoudre le problème. Donc, j'ai deux hash simples, d'un segment commercial unique qui me mène vers une priorité, et d'une prestation unique vers une priorité. Ça, c'est le cas où un seul élément détermine un plan tarifaire. Deuxième cas, pour un tarif. Le deuxième cas, c'est un hash de hash pour examiner les combinaisons. Segment commercial plus une prestation simple menant vers une priorité. Deux prestations sans segment commercial menant vers une priorité. Ensuite, un hash de hash de hash.
dans le cas où j'ai les trois données, segment commercial, plus de prestations, maintenant j'ai une priorité. Voilà, ça c'est les trois trucs dont j'ai vraiment besoin. Après, il y a juste un hash complémentaire qui me permet d'aller. Ma colonne de priorité, voilà. Qui, à partir de la priorité, la meilleure priorité que j'ai trouvée, me donne directement le tarif dont j'ai besoin. Donc ça, c'est juste une transfo simple. Bon, ça, c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'algo. Et j'en ajoute un dernier qui va me permettre d'améliorer les performances considérablement. C'est que dans la hash simple, j'ai juste mis une liste des prestations figurant au moins une fois dans la matrice. C'est-à-dire que dans le catalogue de mon client, il y a à peu près 16 000 prestations différentes. Or, il y en a qu'une centaine qui sont vraiment présentes dans la matrice, soit comme prestation 1, soit comme prestation 2. Donc ce hash supplémentaire va me permettre, dès que j'examine l'enregistrement d'un client, de dire j'élimine tout de suite tout celles qui ne pourront pas être une combinaison que je vais utiliser, de façon à ne plus avoir à examiner, que au lieu d'avoir 20 ou 30 prestations examinées, enfin 20 ou 30 paires parmi 30 prestations, pardon, un certain nombre de paires parmi 20 ou 30 prestations, donc une explosion combinatoire quand même assez élevée, de dire en fait j'en ai beaucoup moins, parce qu'en fait sur ce client-là, sur les 30 prestations qu'il a, il y en a 4 qui sont éventuellement présents dans la matrice, donc il va y avoir beaucoup moins de paires à examiner. Il y a du code là. Donc ça c'est la fonction qui charge la matrice dans mes hash. Je n'ai pas grand chose à en dire, hein, puisque j'ai à peu près décrit ce que ça faisait, je n'ai pas rentré plus dans les détails. Juste une optique que vous trouvez ici et là, qui est quand je charge mes prestations, je peux avoir prestation A, prestation B, qui va me permettre dans mon hash de trouver une priorité. Je mets aussi dans mon hash prestation B, prestation A, pointant vers la même priorité. Comme ça, quand j'examinerai les prestations de mon client, je n'aurai pas besoin de les examiner dans les deux sens, j'aurai besoin de faire la recherche qu'une seule fois. Je divise par deux le nombre de recherches que je fais, et le fait d'avoir plus d'enregistrements dans ma hash, ça ne modifie pas la durée d'exécution, puisqu'on est en rang de 1 sur un hash, à peu près. Donc c'est la seule chose que je veux dire là-dessus. Je pense que les lignes. Bon, c'est pareil, j'ai expliqué avant ce que ça faisait, le code il fait que dire ce que j'ai fait. Il y a un truc que je voulais dire. Ah oui, la ligne 12 elle est importante, elle ne sert à rien d'un point de vue fonctionnel, mais elle va réduire considérablement ma durée d'exécution. C'est là où je filtre mes prestations. Donc, comme il y a deux fonctions qui sont enchaînées, donc je commence par splitter la liste des prestations à droite, de façon à avoir mes prestations. Et immédiatement, je greffe dessus pour ne garder que les prestations dont je sais qu'elles sont présentes au moins une fois dans la matrice, et éliminer toutes les autres. Donc ça va vraiment diminuer considérablement le nombre de paires que je vais avoir examinées. Vous le reste, c'est rien de spécial à en dire. Et là, c'est vraiment là où je trouve la solution. Je traite une prestation. Pas grand-chose à en dire, si ce n'est que, comme j'ai mis mes paires de prestations déjà dans les deux sens dans mon hash, ça va beaucoup plus vite ici. Je n'ai pas besoin de faire prestation A, prestation B, puis après prestation B, prestation A. Dès que j'ai fait un coup, je n'ai pas besoin de faire autre, ça divise par deux mon. Donc voilà, ça commence par chercher un segment commercial tout seul, ensuite ça cherche une prestation tout seul, deux prestations tout seul, un segment commercial d'une prestation, un segment commercial d'une prestation, et là j'ai fait le tour des possibilités, j'ai au total 6 priorités possibles, je les ai éliminées au fur et à mesure, à la fin j'en ai qu'une, et à partir de là j'ai mon tarif. Donc les résultats, durée d'exécution du traitement divisé par 110. C'est-à-dire que le traitement va durer 13 heures au lieu de 60 jours. Mais en fait, c'est beaucoup mieux que ça, parce que, comme je vous le disais, il n'y a qu'une petite partie du traitement que j'ai mis dans le programme PERM,
cette partie du traitement prenait 59,5 jours et elle prend une heure. Donc la durée d'exécution est divisée par combien, 1400. Alors, le fait que j'ai retiré ça de mon traitement, ça prenait 99,3% du traitement, ça ne servait absolument à rien. Je cherche à optimiser autre chose dans mon extraction, puisque tout le temps était pris par cet examen de la matrice. Maintenant que j'ai retiré ça, en fait, il y a d'autres optimisations que je peux faire dans l'extraction, parce que maintenant, ce qui prend beaucoup de temps dans l'extraction, c'est l'examen du segment commercial, parce que l'examen du segment commercial, c'est aussi compliqué. Il y a toute une série de services qui sont attribués à un client, et parmi eux, il y en a un qui a un type particulier qui me désigne mon segment commercial. Donc à chaque fois, je dois faire encore une mécanique un peu du même temps. Donc, tant que j'avais la durée d'exécution qui était complètement gouvernée par la matrice, ça ne servait à rien d'essayer d'optimiser ça. Maintenant, je peux aussi optimiser ça. Bon, je ne vais pas vous en reparler parce que ce n'était pas le but du truc, là, mais disons, le fait d'avoir optimisé un truc fait que maintenant, je peux optimiser un autre. Et donc là, j'ai dit 13 heures. En fait, je peux l'amener à 2 heures. Bon, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Je ne sais plus combien de temps j'ai là. Là, tu as une minute. Hein ? Il faudrait que tu finisses là. Voilà. Donc, c'est très bien comme résultat, mais j'ai quand même dû modifier complètement la logique du traitement. La mécanique est assez compliquée, mais elle est quand même rendue facile par l'expressivité de Perl. Les H, ça fait que j'ai pas grand chose à faire en fait pour modéliser un truc un peu compliqué. Si j'avais voulu faire ça en C par exemple, bah, je me serais vraiment cassé la tête parce que c'est vraiment compliqué à faire. Je vous ai montré à peu près 100 lignes de code, pour tout il y en a 210, donc c'est pas grand chose, pour résoudre ce problème quand même relativement compliqué. J'ai mis 2 jours à coder parce que fonctionnellement c'était un peu difficile, c'est sûr que je pourrais mettre moins, mais... Bon ben là je suis en conclusion, donc... Ce que je voulais dire, je pense que vous avez dû comprendre, j'espère en tout cas, les structures de données bien pensées, peut donner des gains de performance considérables, je n'ai pas gagné 10%, quoi. Je parle de gains qui n'ont rien à voir. Perl offre une grande flexibilité pour construire les structures de données donnant ça. Bon, Perl est naturellement moins rapide qu'un langage compilé, mais il peut offrir des performances supérieures dans certaines conditions. Par exemple, les méthodes que j'ai employées là, j'aurais pas pensé à le faire si j'avais travaillé en C, parce que il aurait fallu que je trouve une bibliothèque de H ou que j'écrive un truc qui fasse ça. Enfin, c'est relativement compliqué, et ça aurait demandé des semaines de codage. Voilà. Ou alors tu écris en Perl le programme qui va générer le C. C'est ça, c'est bon, c'est un peu ce que j'ai fait pour... C'est un peu ce que j'ai fait pour profiler mon code, j'ai écrit en Perl le programme qui va générer mon programme C. Voilà, s'il y a des questions. Oui, j'ai une question. T'as une ou deux prestations dans des trucs. Est-ce que, bon, vu maintenant l'écart de gain entre l'extraction de la matrice et enfin l'extraction des données et puis le traitement, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut bosser. Mais si tu avais une fonction pour concaténer d'une façon ou d'une autre tes deux prestations pour gagner sur cette incertitude-là, de savoir si t'en as une ou deux et dans quel sens elles sont, est-ce que tu penses que tu pouvais gagner encore des choses ou pas? Pas 100% sûr de comprendre exactement ce que tu veux dire, mais j'ai fait un truc comme ça. Dans le programme G initial, c'est une des pistes que j'ai suivies pour essayer d'améliorer la situation. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai concaténé une liste de... Comme j'ai pas de H, j'ai concaténé une liste de prestations qui étaient éligibles, donc des prestations qu'on trouve dans la matrice, parce que je sais que j'en ai, je sais plus combien, mais 50, 60 sur... sur plusieurs multimis. Et donc après, j'avais plus à rechercher que parmi celles-là, rechercher parmi l'ensemble des prestations que le client avait. Donc au lieu que le client ait 30 prestations, par exemple, pour chaque prestation, je peux déjà voir si c'en est une qui est éligible à la table à la matrice. Donc ça m'a permis effectivement de réduire, c'est comme ça que je suis passé de 160 ou 180 jours à 60 jours, mais après, j'avais plus de piste. Non, ce n'était pas vraiment le sens de ma question, c'était plutôt dans tes structures Perl,
T'as un niveau de hash par prestation, donc des fois il t'en manque un. Est-ce que plutôt que d'avoir une incertitude sur le niveau d'étage de prestation, mettre qu'un étage avec une fonction de composition qui prend soit une prestation, soit deux prestations et qui fait un truc unique. Je ne sais pas si là tu vas pas gagner, tu vas peut-être gagner qu'à la marge maintenant là-dessus. On peut utiliser un hash de hash, on peut aussi utiliser un hash où la clé c'est deux prestations concaténées. Il y a différentes solutions possibles. Bon, ça c'est celle que j'ai trouvée qui était assez naturelle à écrire quand même par rapport à la fonctionnalité du problème. Mais bon, on peut peut-être faire mieux que ce que j'ai fait. Hein. Je ne suis pas en train de dire que mon code il est optimal. Je suis en train de dire que je suis arrivé au résultat que je voulais, qui était de le rendre utilisable. Bon, je vous ai infligé un cours d'algorithmique. J'espère que ça ne vous a pas trop rappelé. Non, moi ce qu'ils m'ont dit sur ton jeu du calou, là, c'est tu trouves toutes les solutions en 1 seconde 5. Moi j'ai une heure de trajet aller et une heure de trajet retour, ça ne me va pas du tout, c'est beaucoup trop rapide. Je fais quoi pendant le reste du temps? C'est temps de les rentrer sur le téléphone aussi. Hein. C'est pas beau. C'est pas faux. Tu mets 1 seconde, 65 minutes. D'autres questions? Un peu moins stupide que les miennes? Plus stupide que les miennes? Ah, ça j'ai. Je vous proposerai de remplacer le terme H de H par hachiche, parce que c'est un peu. T'as fumé la roquette? Bon, bah merci.